Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau jeu. Moi, je ne le connais pas. On découvre ça tout de suite après le générique ensemble. À tout de suite. Alors ce jeu, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Creature in the Well. Mais avant toute chose, je te propose de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, d'activer les notifications pour les recevoir les prochaines vidéos. Ceci étant dit, allez, on se plonge nous dans le vif du sujet. Donc Creature in the Well, un jeu qui est sorti, je ne sais plus si c'est en 2020 ou en 2019, qui est un jeu de plateforme. Voilà, donc je suis le petit personnage. Il n'y a pas d'introduction, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais le découvrir avec vous parce que je n'ai pas du tout eu l'occasion de le tester encore. Allez, hop, c'est parti. Nouvelle partie. Ok, nouvelle partie, c'est parti. Ah, petite intro. Il semble que le monde soit un peu tristoun. Des cartoons. C'est à moi de jouer. Ouais. Ok. Alors, j'ai le bouton de la manette. Donc, elle se joue à la manette. On peut jouer à la manette ou au clavier. Bon, du coup, je fais à la manette. Avec le B, je fais un dash. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. C'est bon. Elle est là. Alors, tuyau. Prenons le tuyau. Oh, ça va être une arme, ça. Vous avez vu la petite icône en bas à gauche? C'est la sauvegarde, c'est-à-dire que la sauvegarde est automatique, visiblement. Ok, donc le bouton A sert à taper. Alors, c'est parti. Je suis un petit peu bêtement les poteaux. J'ai l'impression que ça indique plus ou moins un chemin. Donc faisons ça. Ah, une accalmie ici. Je dirais des espèces de balises. Alors est-ce que par ici, il y a quelque chose de particulier? On n'a pas tellement d'éléments de contexte, on entre tout de suite dans le vif du sujet du jeu. On comprend quand même que le monde semble avoir subi quelques dégâts massifs et que donc il ne reste pas grand chose. C'est désertique. Alors attendez, avant d'aller là, est-ce que je peux monter ou faire quelque chose? Alors, il faut aller dedans, je pense. Hop là. Oh bah oui. Ah, j'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu. Oula. Par contre. Oui. Bonjour. Un ingénieur solitaire revient voir la machine dans ma montagne après tout ce temps. Non, non. Je ne fais que passer. Si tu es ici pour terminer ce que tu as commencé, je te surveillerai de près. Bonjour. Du coup,
C'est une espèce de chat, non? De grand chat? Est-ce que je peux tomber? Je teste, hein, je suis un peu... Alors non, effectivement, d'accord. Donc le personnage ne peut pas tomber de la passe, enfin pour le moment en tous les cas. Ok. Oula, frappe la boule. Attendez, qu'est-ce que... Attendez, réfléchissons. Ajouter de l'énergie. Je n'ai pas assez d'énergie. Passe, on est censé faire quoi, hein? J'ai gagné de l'énergie, mais je ne comprends pas bien comment. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Zéro sur 200. Ah, il faut que... Donc d'accord, je pense qu'il faut que j'ai 200 d'énergie. Ah, il faut aller là-bas, je crois. Ah mince. Ouais, en fait, c'est ça. Il faut l'amener. Alors attendez, je vais aller voir. Visiblement, il faut que ça aille. Il y a plein de bouboules. Ah, mais j'avais pas vu toutes les bouboules. Allez hop, festival de l'énergie. Je pense que ce qu'il y a là-bas, c'est un entraînement, principalement. Hop, ajouter de l'énergie. Ok. Ça, c'est pour ouvrir. Donc, je vais peut-être en prendre d'autres de l'énergie. Bah non, du coup, ok. Ok, d'accord. Bon. Alors, là, j'ai d'autres boules. J'ai épée de charge. On va prendre l'épée de charge. Maintiens X, puis appuie sur Y. Charge, puis frappe. C'est la méga boule. Péter le score, les amis, je pète le score. Ajouter de l'énergie. Ok. Oula. Que je dois faire moi. Ouf! Oh, pop, 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 pop! Ah oui! Ah non! C'est pas gentil. Ok. Donc c'est un espèce de puzzle game.
Pour le moment, en tous les cas, il y a ces petites interactions avec les boules d'énergie. Donc là, il faut pour l'instant ouvrir les portes. Là, il faut que j'en ai 215 203. Bah, il va en falloir quand même un petit peu. Là, j'ai peur parce que... Chemin secret révélé. D'accord. Ici. De toute façon, je n'ai pas encore assez d'énergie pour ouvrir la porte. Oula, changement de caméra. Alors, allons voir d'abord. 1000. Un ange. Ah, c'est. J'ai de l'énergie en stock. Mais je ne peux pas. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mon Dieu, je me suis fait déchiqueter. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et ça? C'est pour récupérer de la vie, je pense. Ok. Là, on est bon. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous connaissez ce jeu, Creature in the Well. La créature dans le puits, parce que perso, moi je ne le connaissais pas. Donc, j'aime vraiment bien la direction artistique parce qu'ils vont même jusqu'à scénariser les mouvements de caméra. Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas moi qui manipule la vision de la caméra, c'est vraiment le jeu automatiquement qui le fait. Et après, on peut ne pas aimer. Moi, je trouve très sympa, il y a vraiment un parti pris intéressant. Oula! Je reconnais que c'est pas très orthodoxe ma manière de faire, mais je crois que c'est pas si moche. J'arrive à en attraper. Bon, je pense qu'on est pas mal. Alors, tiens, ici on change un peu de monde, comment dirais-je, de paysage. Alors les couleurs sont. Ça tire tout sur le jaune, orange, marron. Ok, donc on est plutôt dans quelque chose de... c'est rigolo parce que ça allie la technologie, donc avec des aspects robotiques, pardon, bourrotiques, robotiques, et puis de la végétation. Donc c'est assez marrant, c'est une alliance assez particulière. Oh là 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 là. Maintien B. Comment est-ce qu'on fait? Ah bah, tout faux. Maintien B. Bah, le problème c'est que... Alors j'ai pas compris celui-là. Parce que... Tu veux te battre? Vous avez vu les yeux là? Tu veux te battre, Miaouss? Je dis miaouss, je sais pas du tout si c'est un chat, mais... ok, alors ici... Je ne peux pas y aller. Ici, ouais, ok. Alors, on ne peut pas tomber, là, vous voyez, j'essaye d'aller au bord du précipice ou de la petite plateforme, et on ne peut pas tomber. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de difficulté, en tous les cas, inhérente à une possibilité de tomber ou pas. Alors ici, je ne sais pas. Bah là, si, par contre. En fait, ce n'était pas exactement cela que je voulais faire, mais oula, oulala, oulala. Observation. Observation, alors. Ok. Là, attendez.
Donc là, il y a la méga porte, ok. Oh, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie là. Je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, ma barre de vie est à moins de la moitié. Ok. Je vais aller. Ah, oula, oula, oulala. C'est un ami ou ce n'est pas un ami? Oh, c'est. Les amis, je pense que j'ai un talent pour réussir à faire des choses un peu improbables dans les jeux. À faire des bugs, soit du glitch, soit des trucs. Et là, je surfe. Non, mais sans déconner. Oh là là. Bon, je veux lui parler. Je n'en crois pas mes yeux. Okay. Tu es un ingénieur du programme Bot C. C'est la première fois que je vois un ingénieur. Je croyais qu'ils avaient tous disparu depuis longtemps. Mon grand-père m'a dit que la machine ne peut pas fonctionner sans eux. Elle est donc en veille depuis ce temps. D'accord. Bon. Ok. Que c'est excitant. Ok. Excusez-moi, je m'égare, mais j'aime bien. J'aime bien. Alors, pour l'instant, je vais regarder les amis rapidement. Pas rapidement. Pour me faire une idée. Alors ça, je. Ah, bah là, je sors. Non, je ne veux pas sortir tout de suite, donc. Je pense qu'il faut quand même que nous réalisions notre mission. Ah, attendez. Ah mince. Ok. Non, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors, monolithe des systèmes de base, système de sécurité et d'archivage des données servant à empêcher tout accès anormal aux fonctionnalités de base. Allez, on va activer ça. Et chatbot, c'est réserve d'énergie en dessous des niveaux sécuritaires. D'accord. Et là, c'est pareil. D'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, il faut que j'aille sur les. Ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Là non plus. Activer quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est un truc comme ça? Alors, ok. Est-ce que. Non, là, c'est pas assez. Elle s'est ouverte, la porte? Elle s'est ouverte, donc je vais aller voir. Alors, réserve d'énergie. Ah, on change un petit peu de thématique de couleur. On est plus dans le végétal vert, mais de la verdure plus accueillante et moins désertique qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a une porte. Ça s'ouvre, parfait. Oh là, oh là, oh là. Oh là 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 là. Bonjour. Oh là là, ça va pas durer longtemps, les amis. Secours. Mais au secours! C'est des fous dangereux.
censé me protéger ou pas? Attendez, je réfléchis. Parce que là, clairement, je ne vais pas faire long feu. Alors, je pense que stratégiquement, je vais retourner en arrière. Il y a peut-être un moyen de... retrouver de la vie. Je ne peux toujours pas l'activer, là non plus. Est-ce que je peux prendre de la vie quelque part? Lui, par exemple, il ne veut pas dans une pipe, tu l'as ouverte, alors si tu peux, je devrais te mettre dessus. Ah oui! Merci. Ah, hop là. Merci pour l'information. Ah, j'ai switché. Ok. Ouais, que j'arrive à me faire un petit peu de vie. Je sais pas où. Alors là, je ne peux pas aller, donc ok. Vous avez vu, mine de rien, on peut quand même progresser. Donc c'est pas un monde ouvert au sens où c'est directif, on ne peut pas se balader n'importe où dans la map. Mais en revanche, on peut progresser un peu plus loin, même si on n'a pas, j'ai pas tout fini. Je n'ai pas tout fini. Alors chut, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Bobine de transfert. Ah, vous avez vu la créature? Moi, je veux de la vie, si c'est possible. Je t'échange de l'énergie contre de la vie. Bobine de transfert hors ligne. Mince. Oh là, oh là, excusez-moi. Petit problème de concentration. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris? Cuillère en bois. Pourquoi pas? D'accord. Je n'ai plus ma super épée. Peut-être pas fait une chose. Attendez, il y avait la porte ici. On peut pas aller plus loin. Ok, alors ici. Toc toc. Toc toc. Chut, je l'entends dehors. Bon, si je vous entends, ok. Je veux juste un peu de vie, les amis. Alors. C'est vraiment étonnant ce mélange technologie et environnement naturel, plutôt, comment dire. Pas inopportun, mais non accueillant en fait. Vraiment, voilà, très, très peu accueillant. C'est assez. C'est un mélange qui est assez intéressant. J'ai pas l'air malin, moi, avec ma poêle. Oula! Alors, je ne pense pas que je vais sortir tout de suite quand même. Sais-tu pourquoi on n'a pas le droit de quitter la ville? Non, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un peu de jus? Ah, ici. Bâton de baseball. Il y a des espèces de coffres, non? Bâton de baseball. Ah! Marrant qu'il y ait des enfants qui viennent jouer avec moi ou quelque
quelque chose un peu comme ça, ici. Est-ce que je peux entrer? Je ne sais pas où je suis. Ah, je suis ici. Je ne peux pas entrer ici. Là, 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 là. Ok. La créature du puits a dit de ne pas parler. Ah, d'accord. Donc la créature du puits, c'est la grande créature qui me surveille, visiblement. Qui surveille mes déplacements. Ok. Je dois pouvoir aller par là. Ah, il faut. Ouais, je pense que. Okay. On sera peut-être un petit peu plus tard. Et donc ici. Ça me chagrine un petit peu de ne pas pouvoir récupérer de la vie. Je peux pas par. Ah, mince. Chiffon, un vieux chiffon de la forgeronne. On dirait qu'elle n'en a plus besoin. D'accord, ok. Merci. Mon Dieu, un ingénieur. J'espère que tu es là pour terminer le travail que vous avez commencé. Beaucoup de temps a passé, des siècles en fait. Il y a encore beaucoup de ténèbres dans cette montagne. Je n'ai pas grand chose à faire résistance depuis la machine. Ok. D'accord. J'y retourne, hein. Ne disparaît pas comme les autres. N'en est pas l'intention. Par contre, je voudrais bien. Ça va être compliqué l'histoire. Alors ici. Ah Zabi. Et il y a la manette qui vibre. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne vais-je pas là? Mais si, il faut aller là, c'est très bien. Alors donc, revenons à nos moutons. Censé active les systèmes d'alimentation nanana et là ouais non il faut que j'arrive à faire le je sais pas ce qu'il faut que je fasse là hein, je vous avoue alors j'arrive à avoir 20 000 en fait. 20 000 énergie. C'est pas gagné. Je préfère vous dire que c'est pas gagné. Hein. Je préfère prendre mon temps. Voilà. On va y arriver, mais faut pas être pressé, quoi. Thank you.
dedans. Oula. Attention, ça devient dangereux les amis, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans les radars. Comme tout à l'heure là, 16 000. J'arrive à aller. Attention, oula, ça devient dangereux. Allez, allez, un petit effort. Allez, on est bon. Avant que je me fasse détruire. Allez, 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 allez. Ouais. Oui, 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 youpi. Alors, ok. Oulala, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, observons, donc, il en faut 2000, je le sens moyen quand même. Ça, l'astuce, c'est que il faut pas se faire prendre après dans les rayons, parce que sinon c'est mortel. Ok, donc progresse. Ok, je regarde le temps, les amis. Bon, on est déjà à 32 minutes. Bah écoutez, je vous propose pour l'instant qu'on en reste là. Alors, l'avantage, c'est que les sauvegardes se font de manière automatique, donc ça, je n'ai pas de souci avec ça. Écoutez, petit jeu assez intriguant en fait, donc puzzle game, un espèce de flipper game en même temps, puisque bon, effectivement, là, puzzle game au sens où il faut comprendre, la mécanique est assez simple, ceci, il faut comprendre ce qu'il faut faire. La mécanique est simple, il faut un certain nombre de points d'énergie pour pouvoir activer les portes, et pour obtenir ces points d'énergie, on doit taper dans des balles qui vont heurter des générateurs d'énergie. Et de niveau en niveau, ce que je constate, c'est que le niveau de difficulté devient de plus en plus fort dans la mesure où nous avons des armes qui s'activent au fur et à mesure. Voilà, donc un petit jeu très sympa, Creature in the Well, je ne connaissais pas. Donc je vous préciserai ça, mais il me semble qu'il est sorti en 2019 ou en 2020. Moi, je trouve très sympa la direction artistique au niveau graphique. C'est vraiment un parti pris spécial parce que du coup, c'est très cartoon, BD. Les couleurs, voilà, on peut apprécier ou ne pas apprécier les couleurs, mais elles ont l'avantage de donner l'ambiance tout de suite du contexte dans lequel on est, la partie désertique, la partie rocailleuse, avec ses couleurs marron, jaune. Et donc ce personnage qui est un ingénieur visiblement que l'on incarne et qui a pour charge de réactiver un certain nombre de machines de son côté. Voilà, donc une découverte très sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce pour la motivation. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.